Et hop, nous voilà. Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Terre 2 TV, où je suis encore très content de vous recevoir ce soir. Très heureux de vous recevoir avec des invités. Vous allez voir, toujours triés sur le volet. Je vous remercie d'ailleurs de l'énergie, l'accueil que vous avez réservé à la dernière émission. Je le dis toujours, je parle toujours de la précédente et à la fin, on parlera de la suivante. Et la dernière émission, c'était avec le docteur Olivier Chambon et c'était avec Marie-Odile Riffard. On a parlé un peu, entre guillemets, des preuves scientifiques de vie après la mort et comment aujourd'hui ne pas y croire tient quasiment du déni. C'est un petit peu ce dont on a parlé. On a aujourd'hui beaucoup d'éléments scientifiques pour dire qu'en tout cas, notre énergie va aller quelque part. Alors notre énergie, où la placer? Qu'est-ce qu'on en fait dans notre vie? C'est peut-être un petit peu la question qu'on va se poser ce soir. Avec Serge Marquis. Alors, bonsoir Serge. Bonsoir Sylvain. Merci de m'accueillir. Vraiment très heureux d'être avec vous. C'est un plaisir de te faire connaître à ceux qui ne te connaissent pas, de t'avoir pour ceux qui te connaissent. Je vois dans le chat, il y a plein de gens qui sont très contents, qui t'ont connu avec un hamster dont on va parler un petit peu. en tout cas, très content de te recevoir. Que dire en introduction? Je vais dire que tu es médecin spécialiste en santé communautaire. Et comme on l'avait dit en préparant cette émission, c'est une spécialité qui n'existe pas en France. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un médecin spécialiste en médecine communautaire, Serge? C'est un médecin qui s'intéresse d'abord et avant tout à la prévention. J'ai choisi d'aller dans cette... C'est une spécialité qui demande 4 années d'études après le cours de médecine, au même titre que la pédiatrie, la psychiatrie, peu importe. Alors, mais pendant mon cours de médecine, il y avait un prof qui m'a marqué. D'ailleurs, ça, je trouve ça important parce qu'au cours de notre vie, on rencontre des personnes qui nous marquent et on se souvient de ces personnes-là pour le reste de nos jours. Et il avait présenté un graphique illustrant l'évolution de la tuberculose dans la société. Et on voyait que la tuberculose avait diminué énormément avant l'apparition des médicaments, des vaccins, etc. Et on expliquait ça par le fait que les conditions de vie avaient changé. Et je m'intéressais déjà à la santé psychologique, puis je me disais, est-ce qu'on pourrait pas appliquer cette réflexion à la santé psychologique, c'est-à-dire à prévenir l'apparition de certains problèmes en amont? Et voilà, un spécialiste en santé communautaire, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'amont pour éviter que les problèmes surviennent alors qu'il est parfois plus difficile, bien sûr, de les corriger au moment où ils arrivent qu'il aurait été possible de les éviter, voilà. D'accord, donc on avait dit, en fait, c'est une sorte de médecine préventive. Voilà. Et toi, tu t'es particulièrement intéressé à la prévention, j'allais dire, de ce qu'on appelle en France parfois les risques psychosociaux. Ouais. Donc les burn-out, les tentatives de suicide ou les gens qui sont un peu au bout du bout. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai encore une autre rencontre que j'ai eue. C'est bizarre qu'on parle de ça comme ça aujourd'hui parce que ma vie a été marquée par plusieurs rencontres de personnes à qui j'aime rendre hommage. Je suis allé étudier dans le cadre de la spécialité en santé communautaire. J'ai fait une maîtrise en médecine du travail. Je m'intéressais déjà à ce qui pouvait être prévenu dans l'espace de travail, autant les risques biologiques, les risques chimiques, les solvants, les risques physiques, le bruit, bon, etc. Et j'ai eu un prof pendant la maîtrise en Angleterre, Alexis Brooke, son nom, qui avait consacré sa vie, un psychiatre, qui avait consacré sa vie à la prévention des problèmes de santé psychologique dans l'espace de travail. Écoute, j'écoutais cette personne-là, là, je déposais mon crayon. C'était comme écouter un poète, écouter un conteur magnifique. Et il disait que la moitié de sa clientèle, il était psychiatre, l'origine de leurs problèmes était dans l'espace de travail. Et il disait qu'au fond, ils étaient des symptômes d'une maladie de l'organisation. Alors moi, dans ma petite tête d'étudiant, je me disais, par conséquent, si on trouve des moyens de soigner l'organisation, eh bien, il n'y aura plus ces problématiques, il n'y aura plus ces symptômes qui vont apparaître à travers de la détresse psychologique, de la perte d'intérêt, de la fatigue, de l'épuisement, de la démotivation, etc. Et voilà, donc après avoir rencontré Brooke, avoir échangé avec lui, j'ai décidé que je consacrerais ma vie à cette prévention-là. Et je me suis mis aussi à soigner des personnes, on me l'a demandé. Au début, j'avais refusé parce que je me disais, je suis pas formé pour faire ça. Et finalement, ben j'ai fini par accepter de soigner quelqu'un et je me suis formé pour soigner les personnes qui ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail, pour les aider à retourner travailler. Alors, je travaillais donc en amont,
pour prévenir les problèmes. Et je travaillais aussi avec des personnes qui vivaient les problèmes, ce qui me permettait en même temps de mieux comprendre ce qui s'était passé en amont pour pouvoir éviter que ça se multiplie. Mais c'est devenu une épidémie, hein, littéralement. Le mot est délicat, là, à notre époque. Ouais, mais c'est quand même ça. Alors, t'as raison, tu fais un lien entre organisme et organisation, en fait. Qui se passe dans Ouais. une organisation, un lien dans un organisme. Tout Et à fait. ben merci de nous partager cette rencontre. Alors, de ton champ d'expérience sont nés quand même quelques livres qu'on va évoquer avant de parler de celui qui nous intéresse aujourd'hui. Je les ai mis sur l'écran que vous voyez normalement. Non, justement, j'inverse la caméra. Il est là-bas. Il est là-bas. Alors, les livres que vous voyez, je les ai mis dans les éditions canadiennes et françaises. Alors, il y a On est foutu, on pense trop. Ça a demandé 13 ans de travail, ce livre, je crois. Oui, c'est incroyable, un petit bouquin comme ça. Un jour, il y a une personne que je soignais qui m'a demandé si je pouvais pas écrire un bouquin parce que je lui avais suggéré d'écrire des livres et puis de lire les livres, pardon. Et la personne m'a dit, écoute, je commençais à lire ça, c'est compliqué, pourquoi t'en écris pas un? Alors, j'ai fini par me mettre à table ou au clavier et j'ai commencé à écrire Pensouillard. J'ai mis 10 ans avant d'arriver avec un manuscrit que j'ai déposé chez un éditeur. Et il m'a dit, le manuscrit avait 670 pages, une brique, un pavé. Et l'éditeur m'a dit, ben, écoute, je veux publier ton bouquin, mais il faut que tu coupes 400 pages. Alors, j'ai dit, tiens, voilà une belle opportunité de travailler sur la thématique centrale du livre, c'est-à-dire l'ego. Alors, je me suis dit, quand je vais devant l'écran, puis que je vais voir un texte que j'aurai avantage à couper, ben, l'ego va résister. Hey, j'ai travaillé fort pour ça, c'est bon, c'est bien. Et là, à un moment donné, je me disais, mais est-ce que ça sert vraiment le propos? Est-ce que ça peut être utile pour une personne qui va lire ce livre? Et là, je faisais, OK, on efface. Et il y avait toujours une petite crampe, là, ici, là. Mais à un moment donné, il y a une espèce de lâcher-prise. C'est vraiment ça, là. Une espèce de lâcher-prise qui amène à une liberté intérieure. Et Pensouillard, j'ai mis 3 ans à passer de 670 pages à 200 quelques pages, là. Et donc, j'ai mis 13 ans au total pour arriver à ce livre. Ben, évidemment, c'est pas à temps plein, On va là. expliquer à nos amis téléspectateurs que Pensouillard, c'est le nom du personnage dans le Oui, livre. oui. Pensouillard le hamster, où tu Oui. expliques que dans notre tête, on a un petit hamster qui a une fâcheuse tendance à tourner dans sa roue et à y retourner très 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 vite et à prendre le dessus sur nous. Oui. Mais on va en parler aussi aujourd'hui. Parfait. Alors, dans les autres livres que tu as écrits, il y a Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Oui. Bienvenue parmi les humains. Il y en a un qui s'appelle Papa. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Papa, c'est un livre destiné d'abord aux enfants, mais qui peut rejoindre n'importe quel adulte. C'est un livre sur le deuil. Et je suis très ému quand je parle de ce livre-là parce que j'avais fait un hommage au décès de mon père. J'ai fait un hommage à mon père. Et puis après la cérémonie, il y a des gens qui m'ont dit, écoute, ton hommage, il faudrait que tu le publies. Parce que ça pourrait rejoindre beaucoup, beaucoup d'enfants. Leur parler du deuil d'une façon à ce qu'ils puissent comprendre. Parce que les enfants vivent des deuils, bien sûr. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont vécu des deuils pendant la pandémie. Alors, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Finalement, il y a un ami à moi qui est illustrateur, qui a illustré d'ailleurs les autres bouquins, et Gilles Rapaport, à qui j'avais envoyé l'hommage, parce que son père était malade. Et puis Gilles m'a dit, écoute, on fait un livre pour les enfants. Au début, j'ai dit, Gilles, c'est un livre sur la mort, je me sens un peu inconfortable avec ça. Il a dit, non, non, c'est pas un livre sur la mort, c'est un livre sur l'amour. Et on l'a présenté à une éditrice, elle l'a lu en 10 minutes, parce que c'est le temps que ça prend pour lire le livre. Puis elle a dit, on publie. Alors, ce livre a donné Papa. Et je pense que j'ai eu le privilège, la chance extraordinaire de recevoir des témoignages magnifiques au sujet de ce livre, des enfants qui en ont parlé, qui en ont lu des passages. Ça a été très, très émouvant. Donc on va le conseiller à tous ceux qui veulent aider des enfants à vivre un deuil, et à mon avis, pas seulement le deuil d'une personne physique, mais parfois le deuil d'une situation, d'un Exact. événement, d'un lieu. On vit des tas de deuils dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi j'avais connu le deuil. Un déménagement, c'est un deuil. Et il y a plein Perdre de une choses. dent quand on est enfant, c'est un deuil. Bah oui, c'était notre meilleur ami.
On a l'impression que les choses sont immuables et ne partent jamais. Et c'est dur d'expliquer à un enfant que non, finalement, l'impermanence devient la règle. Voilà. Et on va reparler un petit peu d'impermanence. Alors, on va en reparler avec le livre qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais en profiter pour. C'est celui-là, je vais vous le remontrer à l'écran, les amis. Voilà, il avait. Ah non, ça c'est ton site, pardon. Hop, voilà le livre, il s'appelle Je. On va voir pourquoi il s'appelle Je. Connais-toi toi-même. Oui, mais comment faire? Donc, connais-toi toi-même, vous verrez pourquoi on a une citation de Socrate. Il existe aux éditions Flammarion en France et il existe aux éditions Édito ici au Québec, pardon, au Canada. Ouais, je vais le mettre à l'écran. Je remercie d'ailleurs le chien qui s'énerve, c'est pas grave, ça va passer. Je remercie l'éditrice de m'avoir envoyé, l'attaché de presse de m'avoir envoyé le livre, parce que j'aime encore bien les. Je lis beaucoup de livres en PDF, parce que, comme, évidemment, je suis très loin aujourd'hui de certains éditeurs. C'est bien de l'avoir en main, c'est bien de l'avoir en main parce que c'est un livre, les amis, vous vous baladez avec. Moi, j'étais dans le jardin avec, j'étais sur ma terrasse avec. J'étais, comme je disais, pour rigoler, aux toilettes avec, voilà, on va dire un petit chapitre vite fait. Bah, tu sais qu'il y a une étude en France qui a été réalisée et qui explique que 30% des livres sont lus à 30% dans les toilettes. Donc, faut le savoir. Donc, Ben oui, pourquoi ah, c'est pour ça que quelqu'un me dit, oh, tu vas faire un livre de merde. Je dis, c'est pas entièrement faux. Bon, c'est possible qu'il termine là-bas. Bon, bref, peu importe. C'est pas le cas de ce livre qui se lit assez facilement. Qui t'a demandé un autre type de travail qui n'est pas exactement la même ambiance qu'on trouve avec le pensouillard. Pour ceux qui pensent que c'est la même chose et une redite, c'est pas ça. J'ai envie de dire, c'est pensouillard est une super introduction et jeu est un petit peu la suite. On va passer un petit peu en mode adulte, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. On passe un peu en mode adulte, on quitte l'enfant adapté soumis ou enfant rebelle. Qu'on retrouve dans certains personnages, on passe en mode adulte. Et dans ce livre que tu as voulu écrire un petit peu comme un roman quand même, puisque c'est une histoire d'amour, tu viens nous expliquer. Alors, je répète, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est comme un docu-fiction. On a du mal à qualifier, c'est un roman et en même temps c'est très, il y a de l'apprentissage. Tu simules une rencontre entre deux personnages. Deux personnages qui finissent par avoir un surnom chacun. Il y a une dame qui s'appelle Page Blanche et un monsieur qui s'appelle Socrate. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette idée? Ça t'est venu d'où l'idée de passer par des personnages ou de les appeler comme ça? Je souhaitais au départ, parce que en ce qui me concerne, le plus grand défi pour un être humain au cours de son existence, c'est effectivement la connaissance de soi. C'est la question la plus fondamentale, non pas seulement pour chaque personne, mais je crois profondément que c'est la question la plus fondamentale à notre époque pour la planète. Je vais jusque-là. Parce que j'ai la croyance que c'est l'absence de connaissance de soi qui peut conduire à un paquet de problèmes auxquels nous avons tous été tout à faire face, les problèmes environnementaux, les guerres, les horreurs, même les massacres qu'on voit à gauche et à droite. Quelque part, il y a un lien avec l'absence de connaissance de soi. Et je pense que s'il y avait une meilleure connaissance de soi, on pourrait prévenir un paquet de ces problèmes-là. Donc, je voulais parler de ça. Je voulais en parler de façon ludique. Et je voulais montrer que dans le cerveau, la connaissance de soi, c'est découvrir que le cerveau fabrique sans arrêt des identités et que nous ne sommes pas ces identités-là. Et que le cerveau, à cause d'un processus qui s'appelle le processus d'identification, fabrique des je, sans arrêt. On va dans une boutique de vêtements, on s'achète un vêtement, puis on s'identifie au vêtement qu'on porte. Alors le vêtement devient un je tout à coup. On s'identifie à la voiture qu'on conduit. On s'identifie à un paquet d'objets qu'on possède. Et on a tout à coup l'impression, à travers tous ces jeux, d'exister. Et la connaissance de soi, c'est de découvrir que nous ne sommes pas ces jeux. Nous ne sommes aucun de ces jeux. Je suis pas ma voiture. Je suis pas le stylo avec lequel j'écris. Je suis pas une opinion. Je suis pas une idée parce que je peux en changer au cours de ma vie. Et c'est merveilleux d'ailleurs que je puisse en changer. Je suis même pas une valeur qui peut évoluer et s'approfondir, devenir plus proche de la vérité. Alors, et tous ces jeux, une des problématiques qui est liée à tous ces jeux, c'est que le cerveau, lui, il va les défendre, il va les protéger
comme si il en allait de notre survie. Alors on est tout à coup, à cause du fait que quelqu'un émet un commentaire négatif au sujet d'un vêtement qu'on porte, de la cravate, de la voiture qu'on conduit, si quelqu'un émet un commentaire négatif à ce sujet-là, immédiatement, il y a une sécrétion par le cerveau d'hormones liées à la lutte, la fuite ou figé, paralysé, comme on le ferait devant un fauve, devant une menace à notre survie. Et c'est très important d'apprendre à connaître ce mécanisme, ce phénomène, parce que on peut apprendre à sortir de la réaction qu'a le cerveau devant la perception d'une menace à un jeu et entrer dans ce que nous sommes vraiment. Et entrer dans ce que nous sommes vraiment permet de pleinement profiter de sa vie, de la savourer à travers la connexion qu'on peut avoir aux autres personnes, à travers le fait que notre esprit est tout à coup libre de profiter du merveilleux spectacle que la vie peut offrir au lieu d'être coincé à défendre des jeux, etc. Et pourquoi j'ai utilisé deux personnages? Parce que j'ai voulu montrer à quel point il y a une erreur fondamentale quand on cherche l'amour chez beaucoup d'êtres humains. Ces deux personnages se rencontrent à travers un réseau de rencontres. Et puis, ils essaient d'impressionner l'autre, surtout l'homme qui essaie d'impressionner l'autre, à travers tous les jeux qu'il expose. On peut s'identifier aux connaissances qu'on possède. Ah, moi j'ai plus de connaissances sur ce sujet-là que l'autre, donc je suis spécial, je suis unique, etc. Alors il essaie d'impressionner la femme à travers tous les jeux qu'il exhibe littéralement. Et peu à peu, elle aussi est un peu coincée dans ça au départ, mais beaucoup moins que lui. Et peu à peu, là, il découvre ensemble qu'ils ne sont aucune des images qu'ils projettent. Et que s'ils veulent rencontrer l'amour, il va falloir qu'ils découvrent effectivement à travers la connaissance de soi qu'ils et qu'elles ne sont pas ces images-là, mais que ce qu'ils sont, c'est la capacité d'être présent ou présente. Ça, c'est très important. Il y a deux mondes. Il y a le monde des jeux, puis il y a le monde de la présence. Et l'amour ne peut se vivre réellement qu'en dans le monde de la présence. Ça n'a rien à voir avec aucun des jeux qu'on peut exhiber dans l'espoir d'intéresser l'autre, d'attirer son attention, de le séduire. Ça peut marcher un certain temps, mais ça ne conduira pas à l'amour, jamais. Alors donc, j'ai voulu illustrer ça à travers des rencontres qui vont vivre dans un restaurant chinois, où ils vont casser des fortune cookies, des biscuits chinois. Et peu à peu, à travers les lectures qu'ils vont faire, ils vont découvrir le piège de vouloir rencontrer l'autre à travers ce que nous ne sommes pas. Et ils vont découvrir comment rencontrer l'autre à travers ce qu'ils ou ce qu'elles sont. Voilà pourquoi. Page Blanche, ben c'est parce que c'est ce qu'elle a mis comme pseudonyme sur le réseau de rencontres. Et Socrate, c'est parce que lors de leur première rencontre, ou la deuxième, je ne me souviens pas vraiment, la dame commence à appeler l'homme, elle l'appelle Socrate, pour un peu se moquer de lui, pour un peu le confronter, lui faire réaliser au fond, hey, où est-ce que tu vas là, en train d'essayer de me séduire avec toutes tes images que tu mets de l'avant? Allez, on se calme. On va découvrir comment on peut se rencontrer vraiment. Oh, j'entends pas. C'est juste que j'avais coupé mon micro, c'est pas plus mal. Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça rejoint beaucoup de philosophies qu'on trouve un peu partout dans le monde. Bien sûr, tu parles de Socrate et que tu n'as pas choisi Socrate au hasard, parce que cette phrase « connais-toi toi-même vient de lui, bien sûr. Et dans beaucoup de philosophies, on trouve que l'amour est notre état naturel et la peur, c'est ce qu'on a rajouté dessus. Ah, et que si on enlève les peurs, on va trouver l'amour. Tu parles effectivement de tempête hormonale qui en fait est un réflexe archaïque un petit peu de notre cerveau qui était fait pour se battre. J'allais dire, si un lion t'attaque, il valait mieux se barrer vite fait et que tout ton corps soit prêt à se défendre. Alors, aujourd'hui, notre système il s'est adapté et comme il n'y a plus d'attaque de lion, en fait, le problème c'est que tu es en train de nous dire que quand on a construit trop de jeux, tout devient une attaque. Oui, absolument. Et j'aime beaucoup que tu parles de peur. Parce que cette émotion primitive qui a permis d'assurer la survie, si on n'avait pas eu peur, on n'y aurait personne ici. Parce que le fait d'avoir peur
déclenchait la réaction biologique qui nous mettait en mode lutte ou en mode fuite ou nous permettait de nous cacher ou camoufler. Alors, cette peur-là nous a permis d'assurer notre survie. Mais aujourd'hui, cette peur nous empêche d'aimer parce qu'elle apparaît, c'est littéralement ça, elle apparaît quand une image qu'on a construite de soi-même, une représentation qu'on a de soi-même, un je, se sent menacé par un regard, par un commentaire, par le fait qu'il n'y a plus de regard ou qu'il n'y a plus de commentaire, et tout à coup, il y a un jeu qui se sent menacé, et le cerveau sécrète les mêmes hormones que lorsqu'on était devant un fauve ou que la terre commence à trembler ou peu importe. Ce sont les mêmes hormones, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. Alors la tempête hormonale apparaît, et là je reprends une phrase de Mathieu Ricard, lorsque quelqu'un fronce les sourcils pendant qu'on parle, parce que c'est perçu par le cerveau, le froncement de sourcils, comme un commentaire négatif à propos de ce qu'on est en train de dire. Et si on s'est identifié à ce qu'on est en train de dire, « je suis ce que je dis », eh bien le commentaire n'est plus perçu à propos de ce que je dis, mais à propos de ce que je suis. Et le cerveau, lui, déclenche la réaction lutte. Alors là, on se met à attaquer l'autre. D'ailleurs, dans le bouquin, il le prend régulièrement, fait remarquer à Socrate à plusieurs reprises qu'il est en train de l'attaquer parce qu'il se défend devant le fait que tout à coup, elle a dit quelque chose un petit peu pour le titiller. Le titiller, parce que Socrate, au départ, utilisait lui-même beaucoup l'ironie pour essayer justement de permettre à une personne de découvrir que ce qu'elle disait là, c'était pas nécessaire. Exactement, ça n'a aucun sens. Alors, il utilisait l'ironie pour ça. Eh bien, elle le fait. Mais devant l'ironie, lui, ses « je » se sentent menacés. La phrase qu'il venait de prononcer, à laquelle il s'est identifié, tout à coup, il l'aperçoit comme étant attaqué. Et donc, il se perçoit comme étant attaqué. Et là, le cerveau sécrète, c'est la tempête hormonale, sécrète l'adrénaline, noradrénaline, cortisol, et il attaque à son tour. Et tous les deux cherchent l'amour. C'est fascinant. Alors, tu t'attaques à beaucoup, beaucoup de jeux dans le livre. Il y a un moment, ça m'a fait penser à ce qu'une amie que je salue ce soir, qui s'appelle Joanne Razanamay, qui est la femme de Christian Talchaleur, appelle les sous-personnalités psychoactives. Autrement dit, à l'intérieur de nous, on a l'ami de, le frère de, l'amant de, le copain de, le conférencier, le chaman. En fait, on se crée une tonne de personnages et il faut tous qu'ils soient tous aussi viables les uns que les autres. Et moi, j'ai envie de dire, bon, tu t'en parles beaucoup de ces personnages puisque tu les attaques. Alors, franchement, quasiment tous dans le livre, je disais, j'entends, je râle parce que, mais si vous râlez en lisant le bouquin, j'ai une bonne nouvelle, c'est que vous reconnaissez un de vos personnages la plupart du temps. C'est dans ces moments-là que vous allez râler. Oh, il exagère. Non, non, il exagère pas. C'est juste que vous venez d'être touché. Socrate, ça devient vous à un moment. Hein. Et donc, la construction de ces jeux, elle démarre dans l'enfance. Est-ce qu'on démarre avec les jeux de papa-maman? On commence par hériter de jeux de quelqu'un d'autre ou est-ce qu'on est dans l'imitation? Il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement à ce sujet-là. On ne sait pas trop à quel âge ça apparaît. Parce que, on estime que c'est peut-être vers les 6 ou 7 ans. Que, de là, d'ailleurs, l'idée, quand j'étais enfant, on parlait de l'âge de raison, là. Avant ça, il y a les crises de l'enfant, mais on associerait ça davantage à quelque chose d'instinctif à cause d'une quête d'attention. Mais les deux sont liés. Je vais expliquer. Quand on est enfant, et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement à quel âge apparaît la construction des jeux, là, qu'on le veuille ou non, assez tôt, on commence à être en représentation parce qu'on cherche l'attention. Pourquoi on cherche l'attention? Parce qu'on associe recevoir de l'attention avec survivre. C'est-à-dire, si je reçois l'attention, on va me nourrir. Recevoir l'attention veut dire on me nourrit, on me protège. J'ai besoin, quand je suis enfant, d'être protégé. Je ne peux pas traverser la rue sans qu'on me tienne la main, etc. On va aussi me toucher, on va me caresser, on va me bercer, on va me câliner. Ça aussi, c'est associé à la survie et à la sécurité fondamentale. Donc, très tôt, comme enfant, on associe recevoir de l'attention avec survivre. C'est très important. Parce que on commence, et c'est là qu'on sait pas trop à quel âge ça se fait, mais on commence à chercher des moyens de recevoir cette attention.
Si on est un grand frère, puis on a un petit frère, on va même le pousser parce qu'on pense qu'il va nous priver de l'attention dont on a besoin pour survivre, etc. Ou ça peut être une petite sœur, en fait, peu importe. Alors donc, très tôt, on cherche des moyens d'aller chercher l'attention. Et c'est là qu'arrive à un moment donné les jeux. Parce qu'on a l'impression que lorsqu'on performe, lorsqu'on fait quelque chose d'exceptionnel, on reçoit davantage d'attention. Un exemple tout simple, j'ai 5 ans ou 6 ans, je suis au pied de l'arbre de Noël et j'ai appris un petit poème à l'école, 4 lignes. Et là, devant moi, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, les frères, les sœurs, enfin, peu importe. Et là, je récite un petit poème de 4 lignes. À la fin, tout le monde applaudit, bravo, bravo. Et là, il y a une personne bien intentionnée, super important que je dise bien intentionnée, qui dit « Tu es tellement incroyable, tu es tellement bon, tu ne t'es pas trompé, tu ne t'es pas trompé, tu ne t'es pas trompé. » Alors moi, dans ma tête, je fais « Ok, si j'ai reçu des applaudissements, donc de l'attention, c'est parce que je ne me suis pas trompé. C'est parce que j'ai été parfait ou que j'ai été parfait. Donc, si je veux continuer à recevoir l'attention, je ne dois plus me tromper. Je dois continuer d'être parfait ou parfaite. » Et c'est là que se dessinent des jeux qui vont me rendre, à mes yeux, exceptionnel dans l'espoir que ce soit la même chose pour les gens qui vont me regarder et de qui je souhaite avoir l'attention. Alors, autrement dit, je commence à bâtir les uns après les autres. Et ça peut être les parents auxquels je m'identifie parce que je veux recevoir leur attention, donc je veux leur ressembler pour qu'ils se retrouvent en moi, bon, etc. Ou je veux tout à coup être le meilleur à l'école en arithmétique, je veux être la meilleure en français, je veux être le meilleur joueur de hockey ou de foot, ou je veux être, etc., etc., parce que ça me distingue, ça me rend unique, ça me permet d'avoir des récompenses que j'associe à de l'attention qui va me permettre de survivre. Et ça s'inscrit sur un disque dur pendant des années. Et le cerveau, et ça, on ne sait pas quand est-ce que ça a commencé dans l'histoire de l'humanité, mais fabrique des jeux depuis des millénaires. On ne sait pas depuis quand, mais on sait que c'est depuis des millénaires. Un des premiers jeux qui aurait été fabriqué, selon le philosophe Krishnamurti, c'est un jeu en rapport avec le territoire. À travers l'apparition des neurones puis les connexions qui ont permis d'élaborer des idées, des concepts, il y aurait eu un concept du genre « j'ai un territoire, il me permet de survivre, c'est merveilleux, donc je vais protéger ce territoire ». Mais d'après Krishnamurti, il y aurait un deuxième concept qui serait apparu et qui serait une forme de dérapage qui aurait été « non seulement le territoire me permet de survivre, parce que j'y trouve de quoi manger, de quoi boire, bon, etc., mais le territoire me distingue ». Il me rend différent de celui ou de celle qui n'a pas de territoire. Et c'est là qu'est apparu le premier, que seraient apparus les premiers rudiments de l'ego, du moi. Je suis mon territoire, je suis ce que je possède, plutôt que j'ai un territoire qui me permet de survivre. Ce n'est plus la même chose. Je suis mon territoire, je suis ce que je possède. Puis encore aujourd'hui, on le voit très, très, très bien. J'utilise souvent cet exemple pour illustrer ce propos. Nous sommes dans une boutique pour acheter un vêtement. On est devant la glace, devant le miroir, devant la glace pour l'essayer. Et la personne qui souhaite nous le vendre, inconsciemment, active le processus d'identification, donc la fabrication d'un « je », en utilisant la phrase suivante. C'est une phrase extraordinaire, j'en reviens pas à chaque fois. Elle dit « mais c'est tout à fait vous, ça ». Elle parle du vêtement, bien sûr. « C'est tout à fait vous, ça ». Et là, le processus d'identification est activé. C'est comme si elle avait mis le commutateur à « on », c'est activé. Et là, on répond « vous trouvez ?» Et là, elle dit « oui, c'est votre palette de couleurs, c'est votre style. » Et là, elle enfonce le clou avec « et on n'en a qu'un à votre taille. » Et là, ça fait « ah, si je l'achète, il va me rendre spécial, il va me rendre unique, ce qui nous retourne à l'enfance. » Quand on souhaite être spécial et unique pour recevoir de l'attention, ben c'est le même mécanisme. On achète le vêtement, on vient de s'identifier, et là, on arrive à la maison, devant les personnes qu'on aime le plus au monde, et elles nous disent, mais qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu t'es regardé comme il faut? Combien ça t'a coûté, ça? Mais comme on s'est identifié au vêtement,
Les commentaires ne sont plus perçus comme des commentaires à propos du vêtement, mais à mais de propos de ce que soi. nous sommes. Et là, ça déclenche la réaction primitive, la tempête hormonale, la bandinière, le jugement sur l'autre. Bandinière, vous connaissez rien à la mode. L'attaque, donc, ou la fuite. On dépose le vêtement dans le placard et on ne veut plus le voir. Et c'est comme ça pour d'innombrables jeux qu'on fabrique tout au cours de notre existence. Alors, on fabrique des jeux et on fabrique aussi presque des identifications à d'autres jeux. Tu parles souvent des joueurs de tennis, mais il y a typiquement le je vais choisir quelqu'un ou en ce moment un pays, là j'entends des gens pro-Ukraine, pro-Russie, enfin peu importe, on va pas se battre. Mais en fait, on choisit un camp, on choisit une personne et on finit par s'identifier, alors là c'est encore pire, à une situation, à un personnage, mais jusqu'à aller le défendre bec et ongles, presque prêt à mourir pour cette identification. Ben, prêt à mourir même pour une opinion entre amis, sans qu'on s'en rende compte. Le corps va au niveau des hormones, là, créer cette réaction de lutte. Et on le voit dans des périodes préélectorales où des gens s'affrontent, puis il y en a même qui vont jusqu'au cou. Cependant, je vais amener une nuance. Merci d'amener ça parce que c'est très important. En ce qui a trait à l'Ukraine, par exemple, lorsqu'on quitte l'univers des jeux, comment on quitte l'univers des jeux? C'est un jeu de l'attention. C'est quand on entre pour entrer dans la présence, faut simplement ramener l'attention dans la présence. Moi, j'ai une petite phrase que j'utilise toute simple, c'est reviens ici, reviens ici. Et là, on se rend compte que quand on revient ici, qu'on est dans la présence, ce que nous sommes, ce sont des êtres d'interconnexion, des êtres de relation. C'est ce qu'on découvre dans la présence. Non plus des êtres qui s'affrontent pour protéger des jeux, mais des êtres qui savent qu'ils ont besoin les uns et les unes des autres, ouais. Simplement pour assurer encore la c'est ce survie. Que j'allais te... C'est ce que j'allais te dire, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, parce que quand tu as parlé des jeux identifiés, on peut se souvenir qu'au Moyen-Âge, allez, remonte-le en arrière, l'homme vivait un peu plus en meute, comme les animaux, et finalement, on défendait le village. Tu vois, Astérix, ils défendent le village, ils défendent pas Panoramix. Je veux dire, ils défendent le village, on défendait la communauté, comme des loups ont chacun leur place, il n'y a pas de faible, il n'y a pas de fort. Ils s'identifient à une communauté. Et plus on a une société qui s'est modernisée, et plus on est passé de « on doit être bon ensemble » à « on doit être bon tout seul ». C'est ça. C'est très intéressant ça aussi parce que actuellement on fabrique plus que jamais des jeux, une quantité phénoménale de jeux, entre autres à cause des réseaux sociaux, à cause de la place qu'a pris l'image dans cette société, l'image parfaite qu'on crée avec nos écrans, ça a une influence sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Mais au bout du compte, la communauté, elle est planétaire présentement. Ce qui nous menace tout le monde, là, on sait maintenant. On se met la tête dans le sable, on ne voit pas ça, les problèmes environnementaux, entre autres, qui sont majeurs, et la communauté est planétaire. Et quand on quitte le monde des jeux, qui nous sépare, nous isole, nous fait vivre dans la peur pour protéger des images, on ne constate plus que nous sommes des êtres de relation qui, à partir du moment où on est dans la présence, on entre dans la compassion, dans la bienveillance, dans la connexion. Et c'est là qu'on peut ensemble essayer de résoudre des problèmes qui nous affectent tous et toutes. Et là, on peut se sentir relié au peuple ukrainien, entre autres, parce qu'il y a un jeu, là, il y a un jeu majeur qui joue dans la tête d'un individu. Et ce jeu-là, qui est énorme, l'ego d'un individu, peut affecter la planète entière. C'est ce qu'on voit présentement. L'ignorance de soi, l'ignorance du fonctionnement du cerveau qui fabrique des jeux, l'ignorance du fait que nous ne sommes pas nos jeux et que nous sommes des êtres de présence, ben conduit cette ignorance à ce que nous vivons et observons. C'est terrible, parce que tout le monde est affecté quelque part par ce jeu qui veut être tellement extraordinaire, spécial, unique, immortel, etc., etc., qu'il, malheureusement, pose des gestes qui sont absolument horribles. Des dégâts. Et c'est terrible cet aspect de aussi quitter la communauté
Ouais. On s'aperçoit que parfois des identifications peuvent briser une société. Je te prends, il n'y a pas longtemps, un exemple qu'on a tous connu. Pro-vaccin, anti-vaccin. Ouais. Ça a brisé des familles entières, des meutes, j'allais dire entières, ont Ouais. été brisées Ouais. par une identification à un choix. Tout à fait. Oui, puis à partir du moment où on réalise qu'on n'est plus ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? Là, on peut entrer, puis j'aime beaucoup citer Jacques Salomé, on peut entrer dans un espace relationnel. Un espace relationnel, on peut entrer dans un dialogue. Salomé disait communiquer. Mon Dieu que j'aime cette définition-là, je trouve ça tellement beau. C'est la plus belle définition que j'ai jamais entendue de la communication humaine. La plus brève, mais la plus forte. Salomé a dit un jour, communiquer, c'est mettre en commun. On n'est plus dans une dynamique où on veut à tout prix défendre un jeu au risque de détruire l'autre. On est dans une dynamique où on expose ce qu'on a compris, ce qu'on a observé. On expose même ce à quoi on croit, en sachant que c'est une croyance. Puis on invite l'autre personne à exposer ce qu'il ou ce qu'elle a observé, ce à quoi il ou elle croit. Et avec nos créativités respectives, on essaie de voir les différences, les ressemblances, puis on tente de cheminer. On n'est plus dans un jeu qui se sent menacé, qui a peur de disparaître, parce que c'est la peur fondamentale de l'ego, la peur de disparaître. On n'est plus dans un jeu qui se sépare, qui s'isole, qui attaque, qui fuit. On est dans la communauté. On est dans la présence qui écoute, qui essaie de comprendre, qui découvre ce qu'il ou ce qu'elle ne connaît pas encore et qui peut entrer dans l'univers des nuances, des subtilités, les peurs de l'autre, les peurs de soi, l'accueil de ça. Ça fait une différence monumentale. C'est intéressant. Tu sais, même dans les mots en français, on dit défendre. Quand on se défend, c'est qu'on est fendu, on est coupé en deux, mais on s'en Ouais. aperçoit pas. Quand on sent l'envie de se défendre, c'est qu'on n'est déjà pas d'accord avec soi-même, je dis souvent. C'est que quand on est en accord avec soi, il y a une part de nous qui n'a pas envie de se défendre. Alors, je vais revenir plutôt au mot de subtilité. Il y a un de tes chapitres, par exemple, qui s'appelle Sensibilité ou sensiblerie. Ouais. Un des chapitres s'appelle comme ça, et j'aimerais que tu nous dises. Il y a aussi là-dedans une question de moyenne. On va pas être dans l'exagération, disant faut que vous ayez aucun jeu pour être qui vous êtes. Et Non. y a peut-être ce questionnement du oui, mais moi je suis sensible. Alors j'aimerais que tu reviennes peut-être pas forcément sur l'exemple de sensibilité et sensiblerie, pourquoi pas, mais de dire il y a un curseur à mettre aussi parfois. C'est pas évident. C'est une question fondamentale. D'abord, on ne peut pas vivre sans jeu parce que c'est un processus d'identification. Il est là depuis des milliers d'années. Alors, c'est dans le cerveau. Alors, on en fabrique des jeux, puis on va continuer d'en fabriquer toute notre vie. Alors, donc, c'est pas ça le problème. C'est pas de démoniser le processus, c'est pas de démoniser les jeux. L'idée de la connaissance de soi, c'est d'observer ce mécanisme. Observer, c'est le mot important. Observer cette fabrication de jeu et la tendance qu'a le cerveau à les défendre comme s'il allait de notre survie. C'est aussi simple que ça. Et en observant ce mécanisme, en observant l'apparition des jeux, en observant la peur qu'ils ont de disparaître, on observe aussi qu'on est capable, le cerveau est capable par lui-même de ramener l'attention dans le présent, dans la présence. Et au cœur de la présence, là, c'est le cœur d'un ensemble de capacités qui, en quelque part, illustrent ce que nous sommes. Et c'est ça la connaissance de soi. Ces capacités, à un moment donné, pour être capable d'illustrer ça de façon claire, j'ai imaginé un modèle qui ressemble à un atome. Et au cœur du modèle, là, le noyau, c'est la capacité d'être présent, présent. Et c'est relié à plusieurs autres capacités qui n'ont rien à voir avec les jeux, la capacité d'aimer. Et ce modèle, il faut absolument que je le dise, ce modèle d'atome, ces capacités, ça m'est venu à l'esprit en écoutant cette femme qui s'appelle Marie de Hennezel, psychologue française, qui a beaucoup travaillé dans les unités de soins de fin de vie, les soins palliatifs. Et qui avait dit lors d'une conférence ici à Montréal, il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Cette phrase a complètement changé ma vie. Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Alors, qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais?
La capacité d'être présent, présente, ça vieillit jamais. Aux soins palliatifs, il y a des personnes qui sont encore totalement présentes, présentes, dans les dernières heures de leur vie, à exprimer leur amour aux personnes qui les entourent. Elles ne sont plus, pour la plupart, en train de défendre un jeu. Elles ne sont plus en train de défendre une opinion politique à laquelle elles ou elles se sont identifiées. Cette capacité d'être présent, présent, je pense que je vais le raconter parce que ça a été un événement tellement touchant pour moi. J'étais en France, notre fille habite la France, Gaillac, et j'étais là-bas parce qu'elle allait accoucher de son deuxième bébé. Alors on voulait être présent pour l'accompagner. Et puis ma sœur m'écrit depuis Québec, donc de l'autre côté de l'Atlantique, pour me dire que mon père vient d'entrer à l'hôpital, hémorragie cérébrale massive, et que si je voulais le voir avant qu'il meure, il fallait que je retourne. Alors j'ai dit ça à notre fille, elle a commencé à chercher des billets d'avion, et là elle m'a dit, ben, il faut que j'aille m'étendre un peu, que j'aille prendre un bain, parce que tout à coup les contractions ont commencé, et bon, elle a accouché le jour même. C'est extraordinaire déjà en soi. Et j'ai pu voir le bébé, la mère, le père, le frère, le grand frère, tout ça. Et je suis à l'extérieur dehors, à la porte de la maternité avec mon téléphone. Je cherche des billets d'avion pour me rendre à Québec. J'arrive à Québec 2 jours plus tard. Mon frère et ma soeur viennent me chercher à l'aéroport, m'amènent à l'hôpital et me disent que papa ne parle plus à personne depuis 2 jours, qu'il a fait ses adieux, ses remerciements, tout ça, qu'il est dans un semi-coma. Alors j'arrive à l'hôpital, ma mère, mes frères, mes soeurs quittent la chambre, je suis tout seul devant papa. Et là, je lui dis, ça y est, je suis revenu de France, je voulais te saluer. Eh bien, il était complètement paralysé, tout côté droit était paralysé à cause d'hémorragie cérébrale. Il a sorti sa main qui était sous un drap, il a pris ma main comme ça, puis il l'a serrée très, très fort. Ben, il était encore présent. La capacité d'être présent était encore là, intacte. Et cette capacité est liée, et c'est ce que découvrent les deux personnages du livre, cette capacité est liée à plusieurs autres capacités qui ne vieillissent jamais non plus. La capacité d'aimer, ça ne vieillit jamais. La personne aux soins palliatifs peut exprimer son amour aux personnes qui l'entourent. Et c'est ce que Socrate et. C'est ce que Page Blanche fait découvrir à Socrate dans le bouquin, là. Réveil, réveil, wake up. Une autre capacité qui vieillit jamais, c'est la capacité de s'émerveiller. Ça ne vieillit jamais. Il y a une femme qui m'a raconté qu'elle était enceinte de jumeaux et qu'elle a accouché au moment où sa mère est entrée aux soins palliatifs. Elle a eu le temps d'aller montrer les jumeaux à sa mère et elle nous décrivait l'émerveillement de sa mère, les yeux pleins d'étoiles, etc. La capacité de s'émerveiller intacte. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de créer. Il y a des personnes aux soins palliatifs qui demandent encore un crayon pour écrire, dessiner. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de transmettre. J'ai perdu un grand ami. 2 jours avant qu'il parte, j'étais avec lui. Il a pris mes bras comme ça. Il m'a dit, tu sais, les personnes que tu aimes, prends le temps de les regarder. Ben, il était en train de transmettre 2 jours avant de mourir. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité de savourer. Il y a une dame qui m'a raconté que son père souffrait d'un cancer du tube digestif. J'ai droit à toutes sortes de confidences à cause de ce dont on parle. Et qu'il ne pouvait plus rien absorber par la bouche, nourri par les veines. Elle et sa mère ont décidé de préparer les biscuits qu'il aimait beaucoup. On a déposé quelques grains sur sa langue et il l'a fait encore, quelques jours avant de mourir. Une autre capacité qui ne vieillit jamais, c'est la capacité d'apprendre. Moi, je crois qu'on apprend encore à lâcher prise jusqu'au tout dernier instant. On apprend toute sa vie à lâcher prise pour entrer dans la liberté, la véritable liberté, celle qui est à l'intérieur de nous quand on n'est plus en train de vouloir à tout prix défendre des jeux. Alors donc, pour revenir sur ce que tu disais, les jeux, ils vont être là. Et c'est correct. Le cerveau en fabrique. L'intérêt, c'est d'observer cette fabrication sans jugement sur soi-même, oh, sans jugement sur l'autre, simplement observer. Ah, tiens, un jeu qui vient d'apparaître. Et même d'en sourire parfois, pour ramener l'attention dans ce qui ne vieillit jamais. C'est ça la connaissance de soi. C'est ça qui est merveilleux. C'est découvrir ce processus. Fabrication d'un jeu. Le cerveau va se mettre à le défendre, comme s'il en allait de la survie, à cause de la peur que le jeu disparaît. Ça, on observe ça, sans jugement, et on observe qu'on peut ramener l'attention dans la présence, où là, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Parce que dans la présence, j'ai pas peur de disparaître. Je suis à connecter. Connecter à l'autre, aux autres, et c'est tout.
La peur n'est plus une émotion nécessaire pour assurer la survie, à Ouais. part si ma survie est vraiment menacée, là. À ce moment-là, c'est correct, c'est mon cerveau qui me permet d'assurer ma survie si elle est véritablement menacée. Mais en dehors de ça, quand je suis dans la présence, il n'y a pas de peur. Il n'y en a pas. C'est aussi pour ça que sur Terre 2 TV, on parle souvent de l'après-vie ou de ce qui se passe entre les deux. C'est parce que quand on a enlevé dans sa vie la peur de la mort, pas la peur de perdre, il faut rester ici, hein. Je dis toujours aux gens, partez pas trop tôt, vous avez le temps. Mais quand on commence déjà à enlever cette peur-là, on se détend parce que tu l'expliques dans le livre. On voit ce personnage qui est Socrate, qui est à la gasse même, voilà. Pas trop. À la fin, ça la gasse plus, tant mieux. Mais qui est quand même très. On sent que Page Blanche lui explique, tu te rends compte de l'énergie que tu perds à regarder le moindre de mes gestes, le moindre de mes mouvements, le moindre de mes mots. T'es prêt à me manger toute crue. Parce qu'elle parle du corps aussi, à un moment elle parle du physique, du jugement, tu parles de tout, enfin je dis elle, c'est romancé, mais c'est incroyable, et donc tu es en train de nous expliquer que on n'est même plus dans le dialogue, puisqu'on est carrément dans la conservation d'énergie ou dans le fait d'en piquer à l'autre, il n'y a C'est plus de ça. dialogue. C'est absolument. Il n'y a plus de dialogue. Même le corps, c'est important que tu amènes ça aussi. Parce que il y a toute une identification à l'apparence. Le corps en lui-même devient un jeu. Et là, le cerveau est constamment en train d'évaluer si ce corps va être apprécié ou non. Le vieillissement, tout à coup, une ride apparaît. Et là, le corps entre dans la peur que, à cause de la ride, on ne l'apprécie plus, qu'il ne reçoive plus l'attention, on retourne à l'enfant, qu'il ne reçoive plus l'attention. Donc, on essaie même de faire disparaître la ride, etc. Un kilo de trop. Il y a tout ce qui tourne autour du corps et ça va très loin avec les réseaux sociaux, très, très, très loin. Les adolescents qui vont placer une photo d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes sur Facebook, sur Twitter, peu importe. Qu'attendent-ils? Qu'attendent-elles? Les réactions. Et là, c'est le je corps qui attend les réactions. Est-ce qu'il y aura des commentaires positifs? Là, je suis en sécurité parce qu'on apprécie ce corps, etc. Donc, comme quand on était enfant et qu'on applaudissait parce qu'on n'avait pas fait d'erreur dans le poème. Ou les commentaires négatifs. Ou l'absence de commentaires. Et là, c'est terrible parce que la tempête hormonale commence immédiatement. Et il y a eu un événement terrible à Québec il y a quelques années, où des adolescentes avaient posté des photos d'elles-mêmes sur Facebook. Et plusieurs d'entre elles, on ne savait pas pourquoi, il y a eu plusieurs d'entre elles avaient commis des tentatives de suicide. Alors on essayait de comprendre. Puis on a découvert qu'au fond, c'est ce qu'elles avaient en commun, d'avoir placé des photos d'elles sur Facebook. Et elles avaient eu des commentaires extrêmement négatifs. Mais comme elles étaient identifiées à leurs photos, la photo était devenue un jeu. Les commentaires étaient plus perçus comme un commentaire à propos de leur photo, mais à propos d'elles-mêmes. Le cerveau ne faisait plus la distinction. Et là, ben, c'est les hormones, malheureusement, qui vont générer un état dépressif, un état d'inconfort, plutôt que les hormones du bien-être, l'oxytocine, la sérotonine, etc., etc. Alors, c'est tellement fondamental. Si on pouvait apprendre ça tôt dans nos vies, très tôt, on serait capable, bon, on fabriquerait des jeux quand même, mais on serait capable d'observer avant que la réaction apparaisse, la réaction, la tempête hormonale, ou si elle apparaît au moment où elle est apparue, être en mesure de l'apaiser, de la calmer, en découvrant qu'on n'est pas sa photo, qu'on n'est pas la ride, qu'elle apparaît, la ride, mais au fond, ça n'a aucune importance. C'est le merveilleux mouvement de la vie. Dans tes livres, tu en parles, tu donnes plein de techniques et on va arriver à ce moment, on va discuter technique avec toi. Et j'aimerais te demander finalement, moi je te donne un avis, j'ai trouvé que ton livre permettait de vieillir très vite. J'explique ce que je veux dire par là, en sagesse, parce qu'on s'aperçoit que les gens en vieillissant, il y a certains jeux qu'on laisse de côté. Déjà le corps, bon bah écoute les gars, maintenant les rides, les seins qui pendouillent, on va faire avec. Hein. Puis, ben, ce que je veux dire, c'est on finit par lâcher plein de choses, et on entend les anciens qui disent, mais c'est pas grave, mais c'est pas important, mais tu joues pas ta vie avec ça. Et finalement, c'est pour ça que je trouve que ton livre nous permet de vieillir un peu plus en sagesse.
Parce qu'on s'aperçoit qu'en vieillissant, ce travail sur le jeu, il se fait de force presque. Tu pars avec ce que tu es et pas avec ce que tu croyais être. C'est ça. C'est exactement ça. La connaissance de soi, c'est toute la distinction entre ce qu'on croit être, ce qu'on croit être et ce que nous sommes vraiment. C'est ça. Puis, bon, Socrate avait lu cette phrase hein, sur une arche, mais il l'aurait utilisée par la suite pour vraiment confronter des gens et leur faire découvrir qui ils étaient ou qui elles étaient vraiment dans des dialogues. Parce qu'on revient au mot dialogue. Quand on est uniquement dans la lutte pour préserver un jeu, et c'est tellement primitif parce que le cerveau, lui, c'est le reptilien, la partie reptilienne du cerveau et la partie limbique du cerveau qui va essayer de protéger ce qu'on croit être, l'image qu'on a de soi-même, ou d'essayer de s'en servir pour attirer l'attention, séduire, etc. Alors, c'est très, très primitif, très primitif. Et quand on arrive à entrer dans l'observation de ça, encore une fois, je me répète là, mais sans jugement, oui, l'apaisement arrive. Oui, la paix intérieure arrive. Le sentiment de liberté, la véritable liberté arrive, apparaît. Oh, oui, on peut appeler ça une certaine forme de sagesse. Une espèce mais il y a des personnes qui, toute leur vie, vont continuer à défendre des jeux, même, j'ai envie de dire, au moment de leur mort, des personnes qui vont mourir crispées, tendues. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on a dit de moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce que j'ai raté ma vie? Etc., etc., etc. Au lieu d'être dans le lâcher prise, la présence. Allons voir tout ça. Tu sais, souvent en France, on dit un jeune imbécile peut donner un vieil imbécile, c'est pas incompatible. Pour parler poliment, c'était pas le mot-là qui est employé, mais. Je voulais te demander, justement, dans les techniques, tout à l'heure, tu nous dis, il faut observer. Alors, est-ce qu'on est en train de parler d'une observation vers l'intérieur? Est-ce qu'on parle d'un recul? On va rentrer dans les méthodes. Il y a quelque chose que tu dis, et je te l'ai dit souvent, ça peut choquer, on en parlait un peu avant l'émission, c'est, ça va très très vite de changer d'état d'être. Il y a plein de gens qui vont dire, ah ben non, monsieur Marquis, moi je peux vous dire que je sors pas comme ça de mon truc. Et toi, tu dis, si, si, est-ce que tu veux encore nous... Alors, tu expliques quatre étapes, une méthodologie un peu en quatre temps, mais est-ce que tu peux nous la réexpliquer un petit peu, redire à nos téléspectateurs, comment on fait pour pas se désidentifier, mais arrêter de s'identifier, je devrais dire. Oui, ou observer qu'il y a eu identification et observer tout à coup qu'il y a la tempête hormonale liée à la peur puis au besoin de protéger cette identité. C'est vraiment comme ça. Ben la toute première étape, c'est d'observer effectivement que, en fait, elles sont liées parce que tout ça se passe en une fraction de seconde. Hein. Qu'est-ce qui Il est y a menacé? l'exemple que je donne dans le livre et qui ne concerne pas Page Blanche et Socrate, là, mais on est sous la couette, puis là, ma conjointe qui me dit, je lui ai demandé la permission de raconter ça. Est-ce que la porte est verrouillée? Aïe, 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 est-ce que la porte est verrouillée? Ça veut dire qu'il faut que je sorte du lit, que je descende en bas. Là, il y a perception d'une menace à mon confort, à mon bien-être. Parce qu'on n'a pas mentionné ça depuis le début. Il y a la perception d'une menace à la survie du jeu, mais il y a aussi la perception d'une menace au confort, qui peut encore une fois générer la même tempête hormonale. Et dans la deuxième étape, donc la première étape, c'est tout à coup, là, il y a la perception d'une menace au confort. Je suis dans le lit, il faut que je me lève, il fait froid, tant, tant, tant. Et donc, perception d'une menace, encore une fois, je le répète, là, c'est très important, je le souligne parce que c'est très important au confort. Mais la deuxième étape, c'est, et là, les jugements apparaissent, là. Pourquoi moi? Pourquoi ce serait moi qui irais voir si la porte est déverrouillée? Elle n'est même pas encore couchée. Pourquoi ce ne serait pas elle qui irait voir si la porte est déverrouillée? Ça, c'est des jugements sur l'autre et sur soi. Le jeu qui est tellement important, tellement extraordinaire que lui, il devrait avoir le droit de rester au lit et qu'on tienne compte de son confort. C'est l'ego, ça, là. Et en même temps, j'en ai fait une troisième étape, là, c'est la tempête hormonale. C'est-à-dire une perception d'une menace au confort. Les jugements à deuxième étape, sur soi, sur l'autre. La tempête hormonale, ça apparaît à peu près en même temps. Et la quatrième étape, là arrive la conscience. Là arrive à cause de l'observation. Et c'est ce mot-là qui est si difficile à expliquer, c'est qu'il est possible d'entrer dans un espace où on observe que l'attention est accaparée par des jugements
sur soi, sur l'autre, on peut l'observer. Tiens, toute mon attention est accaparée par les jugements sur soi ou sur l'autre. Et là, on peut, dans la quatrième étape, apaiser ça. Oh, il y a un jeu qui se sent menacé ici, là. Oh là là, du calme, le jeu, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu mourras pas si tu te lèves. Tu ne mourras pas. C'est très important. Tu ne mourras pas si tu sors du lit et que tu vas vérifier si la porte est verrouillée ou non. Ça, c'est la conscience. C'est l'intelligence humaine. Et là, on peut passer à l'action, puis, ou si on veut à tout prix entrer dans un dialogue, on peut faire valoir son inconfort délicatement, puis bon. Mais cette séquence-là, c'est en une fraction de seconde que se déroule. Et ce que tu disais est important. La connaissance de soi là, peut s'effectuer en une seconde. Je l'appelle la seconde révolutionnaire. C'est-à-dire l'observation de ce processus. L'observation de menace au confort, jugement, tempête hormonale et possibilité d'apaiser tout ça. Ça peut se dérouler en quelques secondes. C'est simple, mais c'est difficile à faire. C'est très difficile à faire. J'insiste beaucoup là-dessus aussi, là, pour pas décourager les gens. C'est simple, mais c'est difficile. Ça demande un entraînement. Et ça demande d'entrer aussi dans la bienveillance à son propre égard. Parce que c'est tellement accroché là, dans les neurones puis les systèmes hormonaux, là, tout ça, que ça demande du travail pour entrer dans la conscience. Ce qu'on appelle la méditation. La méditation, c'est un moment, dans le livre, c'est dit comme ça, là, oui. Où on entre dans un observatoire. Parce que Socrate se sert de la méditation comme d'un jeu aussi. Moi, je médite. Je suis tellement extraordinaire, je médite. C'est pour ça que j'aime bien ton exemple. Depuis de nombreuses années. J'adore cet exemple, continue, parce qu'il y en a oui, plein. Ça, moi, je médite. Je suis au-dessus des autres parce que je médite. Mais non, mais là, page blanche, je lui dis, mais Socrate, est-ce que ça saigne quand tu médites? Puis il ne comprend pas. Mais, ben, dit Socrate, quand on médite, on peut aussi observer les blessures. On peut aussi observer la tristesse, mais on peut aussi observer comment la tristesse est apparue. Et c'est là qu'arrive l'observation du processus dont je viens de parler, des jugements sur soi, des jugements sur l'autre. Pendant qu'on médite, on est en train d'observer ce qui se passe sans jugement. Et c'est ça qui nous permet de plus en plus, rapidement, de développer le réflexe de cette observation, ce que je me permets d'appeler la vigilance, qui permet d'observer où est l'attention. Parce qu'au fond, c'est ça, méditer, c'est découvrir où est l'attention. Oui, et c'est ce que lui dit Page Blanche. Page Blanche, elle lui dit, tu médites quand je le veux, quand ton je le veut. C'est donc ça. Tu t'es mis dans un état où tu es tranquille, hein, tu es sûr que tu vas arriver à méditer. Et elle lui dit, ça. Tu veux peut-être essayer maintenant, là, tout de suite, là. Exact. Elle lui dit, la méditation, là, assis, tranquille, avec une belle musique, si tu veux, ou etc., devrait conduire à la méditation dans l'action. Et ça, j'emprunte cette expression-là. J'ai eu la chance un jour d'aller au Népal. Et j'ai eu la chance de vivre un certain temps, pas longtemps, mais une dizaine de jours près d'un monastère bouddhiste où on allait tous les jours. Enfin, c'est une longue histoire, je vais la faire courte, là. Et il y avait un moine bouddhiste qui venait nous donner des cours, littéralement, chaque jour. Mais il y avait un groupe de Québécois qui était allé voir la fondation de Mathieu Ricard pour voir à quoi l'argent qui était donné servait. Mathieu Ricard construit des écoles, des cliniques de santé, il fait des choses absolument incroyables, extraordinaires. Et il nous avait invités à aller voir ça. Alors, il nous a fait rencontrer des moines, des professeurs dans le monastère où il vit. Et on a rencontré un moine qui s'appelait... Guillaume. Et j'en parle toujours avec beaucoup d'émotion parce qu'il est entré dans la salle de classe, là, où, enfin, dans l'endroit où il allait parler. Il ressemblait au statut de Bouddha. Petit, rond, chauve. Et il nous parle pendant une heure, mais après 45 minutes, il y a une personne du groupe qui lui demande s'il ne pouvait pas guider une méditation. Et là, il a répondu, « Madame, il me reste 15 minutes. J'ai encore plusieurs choses à vous dire. » Et vous savez, la méditation qui est tellement importante, c'est la méditation dans l'action. Et ça, ce que ça voulait dire, c'est que toute forme de méditation prépare à la méditation dans l'action. Et Page Blanche, au moment où Socrate se sent tout à coup offensé et prêt à contre-attaquer, Page Blanche lui dit, ben, c'est maintenant qu'il faut vous méditiez.
là, sur le champ, pour observer ce qui se passe dans votre tête alors que vous êtes prêt à m'attaquer dans des jugements que vous émettez à propos de ce que je viens de dire, de ce que je suis, etc., etc. Méditez, mais tout de suite, pour observer ça et apaiser ça, pour qu'on retrouve le dialogue, qu'on retourne nos dialogues. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et c'est ça qu'on a, qui est possible pour nous, pour tout être humain. Pour ça que je dis aussi, en une seconde, on peut apprendre à se connaître dans le sens où en une seconde, on est en mesure d'observer ce processus et de découvrir qu'on est capable d'entrer dans l'apaisement plutôt que dans le conflit. Le conflit, au départ, peut peut-être nous amener justement à nous connaître. Dans ce sens-là, il pourrait être utile. Mais autrement, s'il nous amène à nous détruire mutuellement, il n'a aucune utilité. Aucune. Alors, autre chose que, pour reprendre des personnages, Page Blanche apprend à Socrate, c'est qu'on peut vivre sans armure. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut ne plus se sentir attaqué. Ce sont les gens qui se sentent attaqués. C'est pas la présence. La présence ne se sent jamais attaquée. Je reviens à la méditation, d'ailleurs, parce que je veux citer un médecin américain qui s'appelle Richard Moss, que je cite depuis des années. Richard Moss a travaillé beaucoup sur l'anxiété. J'en parle aussi dans le livre. Richard Moss a beaucoup travaillé sur l'anxiété, puis il invitait des personnes à méditer et à prendre 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, pour mettre leur attention sur leur souffle, puis découvrir que tout à coup, elles n'étaient plus sur leur souffle. Elles étaient dans le hamster qui courait dans leur tête à protéger les jeux. Bon. Alors, il demandait aux gens de méditer 10 à 15 minutes. Et les gens disaient, mais j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça. Et là, Richard Moss répondait, vous savez, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. C'est tellement beau. Parce qu'effectivement, pendant que j'écoute une autre personne, je peux tout à coup me rendre compte, observer. Aller à observer. Reconnexion en cours. Ça va venir, les amis. Ah, t'es revenu? Ça y est, j'ai pas encore l'image, mais on parce a que l'image... on a un peu de son, mais l'image est figée. Ok, parfait. Alors c'est ça, je me rends compte tout à coup que je ne suis plus en train d'écouter l'autre et je peux ramener mon attention. Ton image est toujours figée. Je ne sais pas si tu peux arrêter la caméra et la redémarrer en cliquant sur le bouton caméra et en le redémarrant. Des fois, ça marche. Ah. Et ça y est, on t'a retrouvé. Ah, voilà. On reprend, c'est pas grave, ça arrive les incidents techniques. Donc, tu disais qu'on peut méditer, écouter quelqu'un d'autre, c'est déjà méditer. Quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Parce que je me rends compte que je ne suis plus en train de l'écouter. Que je suis en train d'émettre des jugements à propos de ce qu'elle dit. Et là, tout à coup, oups, je peux ramener mon attention sur ce qu'elle était en train de dire. Donc, c'est observer où est l'attention, dans le jugement. Ou sur ce que l'autre est en train de dire. Si un jugement est que je ne suis plus capable de l'écouter, je peux aussi le dire que je ne suis plus capable de l'écouter à ce moment-ci. Je peux simplement dire, je ne peux plus t'accorder l'attention que tu mérites à mes yeux. J'adore cette phrase. Elle m'a été enseignée par une personne qui travaillait dans des centres jeunesse au Québec, c'est-à-dire des centres où on aide des jeunes qui traversent des difficultés. Et il m'avait dit qu'il y avait deux jeunes en même temps, un au téléphone dans le bureau où il travaillait, puis qu'il avait dit aux jeunes au téléphone, « J'aimerais pouvoir t'écouter avec toute l'attention que tu mérites à mes yeux. Mais présentement, j'en suis incapable. Alors, je te donne un rendez-vous dans 15 minutes, dans 30 minutes. » Alors, il avait permis aux jeunes de comprendre que il n'était pas rejeté, il n'était pas exclu, qu'il voulait simplement l'écouter avec toute l'attention qu'il méritait à ses yeux, c'est tout. Alors ça, c'est une phrase magnifique parce qu'il arrive des moments où on n'est pas en mesure d'écouter l'autre adéquatement. Et on peut le dire. J'aimerais t'écouter avec toute l'attention que tu mérites à mes yeux. C'est impossible présentement. Dans 30 minutes, demain, peu importe. Alors, et ça apaise aussi nos propres jeux, garder l'image de la personne qui donne l'impression qu'elle est en train d'écouter pour garder une image très belle d'elle-même dans la tête de l'autre. Alors qu'elle ne l'est pas vraiment en train d'écouter.
Bon, il y a un jeu là, qui vient encore essayer de défendre son image, mais qui n'est plus dans la présence. C'est une différence entre un dialogue et une joute verbale quelque part, où c'est comme un jeu de tennis, on regarde où va la balle et on se prépare déjà à la renvoyer, et on ne sait même pas, on n'a pas eu le temps d'admirer le coup, comme je dis C'est toujours. ça, Et c'est ça. c'est un petit peu... J'ai une question à te poser, toi qui voyages beaucoup, toi et moi notamment, on fait Québec-France pas mal, mais est-ce que tu as découvert une différence entre les jeux du Québec et les jeux de la France? Est-ce qu'il y a des spécialités nationales? Oh, écoute, je pense que c'est un processus universel, la fabrication des jeux. Oui, il y a des distinctions culturelles parce que le jeu français, je suis français, n'est pas le même que le jeu québécois, je suis québécois. Déjà, il y a une différence là, avec tout ce que ça représente, tout ce qu'on met sous le chapeau jeu. Alors, donc, il y a des différences, mais le processus demeure le même. La fabrication du jeu, neurologiquement, demeure exactement la même. C'est simplement le contenu du jeu qui varie. Et la peur de le perdre, la peur qu'il disparaisse, ce jeu, est la même aussi. Il y a aussi Neurologiquement, c'est des la même jeux chose. nationaux, je sais pas si tu as remarqué, Serge, par exemple. Au Québec, je peux m'habiller n'importe comment, personne ne me fera jamais de réflexion. C'est intéressant. Je sors dans la rue avec un truc blanc en haut, un truc noir en bas et des chaussettes violettes. Ça passe crème, ça passe tout seul. Alors qu'en France, il y a une espèce de jeu national qui est que tout le monde doit être à la mode et il y a déjà un espèce de jugement qui se met en route à partir du moment où la personne est mal habillée. Tu vois, c'est Oui, à ce genre de. Je trouve qu'il y a des jeux nationaux, quoi. Il y a des. il y a des jeux nationaux. D'ailleurs, c'est un jeu très fort, le jeu national. C'est un jeu très, très, très fort. Et il en va de. Et ça aussi, c'est super important de l'observer parce que le jeu national va vouloir se protéger comme s'il en allait de la survie de la personne qu'il défend. Et là, il y a des attaques, mais qui vont briser des relations entre frères et sœurs, qui vont briser des relations entre amis, entre amants, etc., etc. C'est fascinant. Et c'est pour ça que c'est si important d'être en mesure d'observer ce processus-là. Connais-toi toi-même, observe ce processus-là pour éviter ces destructions de relations qui constituent l'essence de ce que nous sommes. Parfois, on me demande, d'où venez-vous? Je rigole quand je dis ça parce que, bon, je commence par dire que je viens du Québec, bon, blablabla, mais là, quand on essaie de voir s'il n'y a pas un jeu d'associé à ma réponse, je vous savez, au fond, là, nous venons tous et toutes d'Éthiopie et du Kenya parce que il y a 4-5 millions d'années, c'est là que l'être humain est apparu, ou 7 ou 8 millions d'années, c'est là que l'être humain est apparu. Alors, on vient tous et toutes de là. Puis, si on veut aller plus loin que ça, je me permets d'en parler parce que il y a un roman dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle Le jour où je me suis aimé pour de vrai. Et dans ce petit roman, il y a une femme qui découvre à travers la relation avec son fils, Charlot, la place qu'occupent les jeux. C'est une neuropédiatre, puis aller dans l'image, puis être la meilleure, puis exceptionnelle. Bon. Puis, à un moment donné, elle découvre dans un dialogue avec Charlot là, ce que ça signifie, puis avec d'autres personnages. Au départ, je viens d'Éthiopie, au lieu de dire je viens du Québec ou de France. Et ça jette tout le monde par terre parce que la personne n'a pas l'air d'avoir des traits éthiopiens. Puis là, la conversation se poursuit et la personne dit, au fond, je viens de la mer. Parce qu'un jour, on est sorti de la mer. Il y a eu un organisme vivant qui est. On associe ça à une espèce de poisson volant là, qui serait arrivé sur Terre et les pattes seraient apparues. Puis là, seraient apparus les premiers reptiles, puis tout ça. Mais plus loin que ça, si on va dans le raisonnement d'Hubert Reeves, on peut même dire « je viens des étoiles ». Parce qu'Hubert Reeves dit « nous sommes tous et toutes des poussières d'étoiles à la base ». Alors, on n'est plus dans des jeux, là. On est dans ce qu'on a en commun, ce qui nous rassemble, dans l'interconnexion, dans l'interdépendance. Et dans la capacité que nous avons collectivement à protéger cette étoile sur laquelle nous vivons tous et toutes, dont notre survie, non pas juste la nôtre, mais la survie de plein d'espèces vivantes dépend. Cette planète, Hubert Reeves t'aurait dit, les étoiles sont des soleils.
Cette planète, oui, on vit. Moi, j'ai tendance à dire je viens du ciel. C'est ma version spirituelle pour dire je vais pas m'identifier à un mec qui vient d'Épinal dans les Vosges en France il y a quelques années. Et comme tu dis, il faut se fier à ce qui est un peu immortel en nous, à ce qui est un peu infini. Je te Ouais. remercie d'avoir pris autant de temps pour nous expliquer tout ça. Je te propose de prendre des questions de nos spectateurs. Avec plaisir. On passe à une deuxième étape. Les amis, si vous avez des questions, comme d'habitude, comme vous êtes beaucoup dans le chat, Merci, Sylvain. mettez point d'interrogation, la question et deux points d'interrogation à la fin, ça me permet de bien les voir. La première que je vois là-haut, ça doit être quelqu'un qui te connaît, mais je vois pas trop ce qu'elle évoque. Mais elle dit, c'est Daniel qui le demande, est-ce que tu peux nous évoquer les faits « Je suis Charlie » Ah oui, ben c'est ça. Ben ça, c'est aussi, cette phrase-là a été utilisée pour parler d'interconnexion. C'est ça qui est intéressant. C'est que parfois, on utilise une phrase comme celle-là pour montrer à quel point on est lié à l'autre, pour exprimer notre compassion, pour exprimer notre solidarité, et non pas pour se séparer. C'est pas un je qu'on veut défendre. C'est une façon d'exprimer qu'on est relié. Dans la bienveillance, dans la compassion, dans la solidarité, dans la grande communauté humaine qui tout à coup, malheureusement, a été attaquée à cause d'un jeu. C'est ça qui est terrible. Parce qu'à la base, ces actes horribles qui sont posés, on trouve toujours un jeu quelque part qui a comme, qui est à la base même de l'acte. Parce que je vais être exceptionnel. Je vais défendre mon idée, mon opinion, parce que si malheureusement elle est attaquée, ben moi je risque de disparaître. Donc je vais défendre mon opinion en détruisant ceux qui n'ont pas la même opinion que moi ou qui parlent de mon opinion d'une façon qui pourrait me faire me sentir menacé. Alors donc il pose des gestes terribles à cause de ces jeux. Et je suis ça, Charlie était l'expression de la solidarité, était l'expression de l'interconnexion, était l'expression de l'interdépendance. C'était partout dans le monde là. Ici au Québec, partout, partout, donc il y avait, on était à nouveau main dans la main sur l'étoile Terre, la planète Terre. C'est ça qu'on vivait là. Alors voilà. C'est une union. C'est un peu un rappel quand on Ouais. avait des I Love New York après la chute du World Trade Center qui Pareil. fleurissait partout. Pareil. Pareil. Une question qui est ici, qui est, tu parles de la pandémie, tu parles de pandémie aussi dans le livre. On voit qu'il a été d'actualité. Quel rapport a eu la pandémie avec nos jeux? Là, je vais dire une chose énorme. À chaque fois que je parle de ça, les gens font. Oh. L'origine de la pandémie là, est associée à l'ego humain. Et pourquoi? L'ego humain, la quantité de jeux qu'on fabrique, là, qui est à l'infini, à cause de la peur de disparaître, va toujours vouloir plus, faire plus. Avoir plus, parce qu'il y a une illusion qu'en faisant plus, en ayant plus, je compare souvent l'ego à un oignon avec des pelures identitaires qui sont tous les jeux, là. On a l'illusion qu'en ayant plus de pelures identitaires, plus de jeux, plus de richesses auxquelles on s'identifie, plus de maisons, plus de voitures, plus de ci et de ça, qu'on va être moins menacé. Parce que s'il y a une pelure qui disparaît, c'est pas grave, il en reste beaucoup, 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 beaucoup. Alors donc, à force de vouloir avoir plus, faire plus, on entre dans une des caractéristiques de l'ego qui est l'avidité. J'irais même jusqu'à dire la cupidité. Et ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est que le territoire où vivaient les chauves-souris a été réduit, 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 réduit. Pourquoi? Parce qu'on construisait plus de tours avec des condos, des parcs d'amusement, des centres d'achat, comme on dit au Québec. Les supermarchés, comme on dit en France, etc., etc. Alors, à force de construire tout ça, on a réduit l'espace, le territoire, l'habitat des chauves-souris, qui ont malheureusement eu moins de nourriture. Et on sait maintenant que leur système immunitaire, qui combattait très bien des virus comme le coronavirus, a cessé d'être efficace. Donc, elles ne pouvaient plus combattre le virus à l'intérieur de leur corps. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elles l'ont transmis. Alors, il y a des moyens de toutes sortes, là. Soit qu'elles ont été bouffées, soit qu'elles ont mordu quelqu'un, bon, un animal, peu importe. Alors, en fait, c'est à cause de
rétrécissement de leur environnement à cause de l'avidité de l'ego puis du toujours, toujours, toujours plus que malheureusement, il y a eu transmission du coronavirus parce qu'elle n'avait plus de quoi bouffer. C'est aussi simple que ça. Alors, si on devenait conscient de l'avidité de l'ego et que ça ne nous rendra pas plus heureux si on possède plus, 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 parce qu'on n'est pas dans la présence. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être dans la présence. C'est d'être dans l'interconnexion. Et ça, c'est quelque chose qu'on réalise à partir du moment où on est entré dans la connaissance de soi puis qu'on a ramené l'attention dans la présence et que la peur disparaît. Alors donc, il y a un lien très clair pour moi entre la pandémie et l'ego et l'absence de connaissance de soi. Dans l'hypothèse où c'est des chauves-souris, effectivement. Il y a, oui. Tu viens d'évoquer quelque chose qui est important, c'est être heureux. Parce qu'on s'aperçoit que être heureux peut être naturel quand on cesse de se défendre. L'amour et le bonheur devient un acte naturel. On le voit, on a des gens très très riches en Occident, très malheureux, et on a des très très pauvres en Inde. Ils vous sourient, ils sont prêts à vous donner peu de nourriture qu'ils ont dans la journée. C'est un truc de fou. Ils sont dans la présence. J'ai eu le privilège d'aller travailler en Éthiopie il y a quelques années. Je suis allé travailler en Haïti aussi il y a quelques années. J'ai rencontré des personnes là-bas, mais qui vivaient dans la pauvreté la plus inimaginable, mais qui étaient dans la présence. Elles étaient là, dans l'écoute, dans le jeu parfois des enfants, dans le jeu. Non pas dans le jeu, dans le jeu. Alors, et profondément bien, profondément bien. Ils n'étaient plus en train de défendre quelque chose à tout prix, à cause de la peur que ça ne disparaisse, etc., etc. Ben non, ben non. Il était dans la connexion, dans la présence, etc. Alors oui, cette possibilité d'avoir accès au bien-être, on va vivre des émotions de tristesse. Oh, la colère va monter parfois pour pouvoir nous protéger de certaines choses. Est-ce que c'est un jeu que je suis en train de protéger? Est-ce que il y a quelque chose d'autre que je suis en train de protéger? Est-ce que je suis en train de mettre des limites parce que ma santé est menacée si je mets pas de limites? Ça, c'est possible aussi qu'à ce moment-là, il y a une colère qui monte parce que j'ai besoin de mettre des limites, parce que je suis en train de m'épuiser, bon, etc., etc. Il y a des gens que j'ai vus en consultation vivre ça qui ont été obligés de dire non, ça suffit, et qui l'ont dit de façon très ferme. Alors, c'était correct de le faire comme ça. Alors, on n'est pas en train de protéger un jeu, on est en train de protéger leur santé, quelque chose de très fondamental. Et quand on arrive à cette observation, ben oui, effectivement, il y a une espèce d'état de bien-être qui est là. Et on réalise qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour entrer dans ce bien-être-là. On a besoin de tellement plus. On parle de bien-être et pas de béatitude. Toujours pareil, il faut éviter les nuances hystériques de « je serai bien que quand je serai super joyeux ». Non, être bien, c'est pas être super joyeux, c'est être là, présent, avoir cette part de nous qui nous dit « je suis au bon moment, au bon endroit, tout va bien ». C'est sérénité. Parfois, il y a une fenêtre juste à côté ici. Là. Je regarde souvent par la fenêtre. Il y a des arbres, il arrive... ça a l'air cliché ce que je dis là, mais c'est tellement important. Il y a un oiseau qui vient se poser ici, là, tout près, à côté de la fenêtre. Là. C'est très important ce que tu dis. Très important, parce que j'ai connu trop de gens qui étaient dans des lits d'hôpitaux. J'ai travaillé à l'hôpital pendant 17 ans, des hôpitaux. Et c'était leur bonheur de la journée, quoi. Voir un oiseau se poser sur leur fenêtre. Voilà, voilà. Puis ils étaient totalement présents, je suis sûr. Complètement. Pas en train de vouloir défendre une image devant l'oiseau, tu sais. Alors, pas en train non plus d'emmagasiner un autre jeu. Ben moi, les oiseaux viennent juste pour moi. Non, être là, en train d'observer cette vie, c'est fabuleux. Et là, on est bien. On réalise qu'on a besoin de bien peu, finalement. Mais bon, on est dans une société qui ne reconnaît pas ça du tout. Au contraire, tu sais, on en parle souvent, mais pas assez, qui associe consommation avec bonheur, qui associe avoir plus avec bonheur, qui associe faire plus avec bonheur, qui associe être reconnu socialement avec bonheur, avoir son nom dans les journaux, passer à la télé, machin. On associe tout ça avec bonheur. Mais on en connaît combien, tu le disais tout à l'heure, des grands acteurs de cinéma, richissimes, célèbres, avec une apparence enviée par plein de gens
qui sont dans l'alcool, les drogues, qui sont dans la dépression, qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ce que on nous fait valoir comme étant la voie vers le bonheur, là. La richesse, la célébrité, la reconnaissance sociale, bon, l'apparence, machin. Ils ont tout ça. Tout, 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 tout. Et puis, bon, ben, il y en a même qui vont jusqu'à mettre fin à leur jour, là. Ouais, C'est malheureusement. fascinant, tout ça. Alors, c'est parce qu'ils ont pas distingué, justement, tous ces jeux. Je suis le plus riche, la plus riche, le plus célèbre, la plus célèbre, etc., de ce qu'est la présence, tout simplement. Et... Éducation compte et on a transformé l'argent en ça. Je rigolais parce que tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil que j'ai reçu qu'au Canada, c'est interdit en France. En France, les banques n'ont pas le droit trop de faire de publicité. Mais je reçois un coup de fil d'une banque qui me dit, vous avez droit à la carte de crédit, machin, qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre de tout acheter. J'ai envie de dire, attends, c'est une carte infinie, c'est-à-dire elle est chargée à l'infini. C'est quoi le truc, tu vois? Effectivement, on confond trop l'argent et le bonheur. Daniel, quand même, nous dit, hyper vrai ce que vous dites, mais qu'en est-il de l'autonomie? Comment on peut trouver l'équilibre entre nous sommes tous unis, hein, et avoir une certaine autonomie pour ne pas pomper l'énergie des autres? Sa question, Pour elle est ça, un peu, comment je trouve une place à moi et une place à oui. l'autre? Pour ça, j'aime bien l'expression interconnexion plutôt qu'interdépendance, bien qu'on a, je crois, en tout cas, on est tous ensemble sur la même planète par rapport à des problèmes collectifs. L'autonomie, j'ai envie de dire, indissociable de la présence. Quand je suis dans la présence, là, mais complètement dans la présence, je suis parfaitement autonome, dans le sens où je dépends pas de l'autre pour être présent. Je dépends pas de l'autre pour être là. Je dépends pas de l'autre pour aimer. D'ailleurs, ça me permet de faire une distinction extrêmement importante parce que quand on est dans la capacité d'être présent, la capacité d'aimer, on a plus peur de ne pas être aimé. J'ai soigné des personnes, c'est assez extraordinaire, qui venaient avec la carte de visite de l'épuisement professionnel, bon, etc., mais me parlaient assez rapidement d'une rupture qu'elles avaient vécue. Et en les écoutant, j'avais l'impression qu'elles considéraient que la personne qui les avait quittées était partie avec leur capacité d'aimer, qu'elle leur avait volé leur capacité d'aimer. Et puis tout à coup, dans un dialogue, comme si on marchait côte à côte, elle finissait par dire, mais... On ne peut pas me voler ma capacité d'aimer, on ne peut pas s'emparer de ma capacité d'aimer. Elle est encore en moi, elle est intacte, et je peux encore aimer, mais d'innombrables. Il y a toutes sortes de façons, d'ailleurs, il y a toutes sortes de formes que l'amour peut prendre. Et à partir du moment où ces personnes-là découvraient ça, tout à coup, je voyais l'énergie circuler en eux ou en elles à nouveau. Et c'est ça l'autonomie. C'est découvrir qu'à l'intérieur de soi, toutes ces capacités sont intactes. Que je suis autonome, que je dépends pas de l'amour de l'autre, que je dépends pas de ce que l'autre va me dire, de la reconnaissance de l'autre, etc., pour pouvoir être dans la présence, pour pouvoir être dans la capacité de m'émerveiller. Bon, non, elle est là, l'autonomie, quand je suis dans ce que je suis vraiment. Complètement. Je suis autonome dans ma capacité de savourer. Je suis autonome dans ma capacité de créer. Je suis autonome dans ma capacité de transmettre. Je suis autonome dans ma capacité d'apprendre. Tout le temps. Aimer, c'est ce qui me relie. C'est ce qui me relie. C'est ce qui me connecte aux autres. C'est génial parce que c'est la définition que donnent les guides de lumière. À aimer, c'est relier. Mais tu réponds à la question de Claire en même temps. Claire, elle demandait, diriez-vous que tous les actes de nos jeux sont finalement l'expression d'un manque d'amour, tout simplement? Tout le temps. Tout le temps, la quête d'attention. Tout le temps la quête liée à la peur de disparaître. Recevoir l'attention pour l'enfant égale je survis. Je ne reçois plus l'attention égale j'ai peur de mourir. Il y avait un livre qui s'appelait, dont le titre était Le chemin le moins fréquenté, dont j'oubliais malheureusement le nom d'auteur, ça va me revenir, mais il disait la plus grande peur qu'un enfant puisse ressentir, c'est la peur de voir ses parents s'éloigner, parce qu'il a peur de disparaître. Il a peur qu'on ne s'occupera plus de lui, qu'on ne le nourrira plus, qu'on ne le protégera plus et qu'il ne recevra plus d'attention. Tout ça est associé, là. Tout ça est relié. Alors donc, toute notre vie, on reste avec ce disque dur, là, et c'est en l'observant qu'on apaise ça. Donc, il y a une quête d'attention tout le temps des jeux.
Si je suis exceptionnel, on va s'occuper de moi. Si je suis exceptionnel, on va m'apporter de la reconnaissance. Si je suis exceptionnel, on va m'aimer. Si je suis extraordinaire, on va s'intéresser à moi, s'intéresser à moi, etc., etc. Alors, donc, oui, à la base, il y a tout le temps, cette quête à travers tous les jeux qui sont fabriqués. Le chemin le moins fréquenté, ça doit être Scott Peck, c'est ça? Scott Peck, exact. Alors, je vais prendre une autre question. Merci pour cette réponse qui est tout à fait juste. Elle est bizarre, la question, parce que j'ai l'impression qu'elle vient d'un jeu, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Alicia nous dit, comment convaincre, j'ai une erreur dans l'énoncé déjà, comment convaincre les plus accros à leur ego de l'impossibilité de créer une réelle et intelligente communication? J'ai envie de dire, pourquoi tu veux te prendre la tête à convaincre? Ouais, c'est ça. Au départ, il est très important de se rappeler qu'on ne peut pas changer l'autre. Je me le répète. La Je me le machine répète n'a changé régulièrement. l'autre. Je ne peux pas changer l'autre. D'ailleurs, si on pouvait changer l'autre, sur le champ de toutes les personnes ici présentes, on se transformerait en quelque chose d'autre. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un quelque part qui veut nous changer. Ça, c'est sûr. Puis ce serait très intéressant de voir apparaître en quoi on se transformerait d'ailleurs. Mais je ne peux pas changer l'autre. Cependant, je peux, et j'utilise une expression que j'emprunte à un ami qui est malheureusement décédé, il s'appelait Eugène. Eugène disait, on peut montrer à l'autre son intérêt à changer. On peut simplement montrer à l'autre son intérêt à changer, mais c'est le vieux proverbe chinois, je peux montrer au cheval l'eau de la fontaine, mais je ne peux pas le forcer à la boire. Alors, il choisit de boire ou non. Une autre chose que je peux faire, c'est d'être dans la présence. Parce que, en étant moi-même dans la présence, peut-être que ça va servir de modèle à une autre personne. Peut-être. Sans que je l'attende, sans que je l'espère. Simplement être là. D'ailleurs, je dis souvent à des parents par rapport à des enfants, ce que vous pouvez offrir comme cadeau, c'est votre présence. Parce que les enfants modélisent. Alors, si vous êtes toujours dans l'anxiété, ben, ils vont peut-être modéliser l'anxiété. Si vous êtes dans la présence, ben, ils vont modéliser la présence. Alors, ça peut peut-être permettre d'éviter de construire des jeux qui n'ont pas lieu d'être pour être aimés, justement. Parce que la présence est là. Donc, t'as pas besoin de construire un jeu pour être aimé. Regarde, elle est là, la présence. Elle est là, mon attention. Ah, ben, moi aussi, je peux être dans la présence. Moi aussi, je peux être dans l'attention. Alors, il y a cette découverte mutuelle de ce que ça signifie. On va loin, je vais aller très très loin dans une question que je vais te poser personnellement. Est-ce que le jeu de je t'aime est dangereux. Il faut. Je pense qu'on peut l'utiliser. À Si on est tout. dans la présence, la personne va comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'il peut y avoir un je t'aime qui est une question. Il peut y avoir un je t'aime qui est porteur d'attente. Il peut y avoir un je t'aime qui espère entendre un je t'aime à son tour. En retour, pardon. Alors, et donc là, on n'est plus dans la présence. Le je t'aime issu de la présence ne sera pas porteur d'attente. Il n'y aura aucune pression dans ce je t'aime-là. Il n'y aura aucune exigence. J'irais même jusqu'à dire d'exigence. Ça va être un je t'aime issu de la présence. Donc, l'autre personne va se sentir complètement autonome, justement. Je reviens à ça. Complètement libre. Ne sentira aucune pression accompagnant ce je t'aime. Elle va sentir que c'est un je t'aime qui vient de l'essence même de la personne, qui va peut-être même permettre une connexion avec la présence de l'autre. Point. Oui, il y a une connexion. Quand tu vas dire à quelqu'un je t'aime, même si t'es pas le plus grand, même si t'es pas le plus fort, même si Ouais. on utilise ce même si. Une autre question qui est un peu plus psychologique, là on rentre un peu dans les détails pour ceux qui connaissent. En psychologie, il existe quelque chose qu'on appelle la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow avec les besoins d'abri, de manger, de boire, l'estime de soi. Est-ce que cette pyramide est une fabrique à jeux? Non, je crois pas. Je crois que Maslow, en fait, c'est l'impression que j'ai eue en lisant certains de ses textes, tout ça. Je pense qu'il avait bien compris ça. Il y a une seule chose, je ne sais pas jusqu'à quel point on a interprété la pyramide, parce que c'est ce dont on parle, la pyramide, avec
l'idée qu'il faut qu'il y ait un besoin de combler pour passer au suivant. Oui, c'est Que souvent ce cas, si, c'est souvent ce qu'on croit, oui. ouais, et je pense, c'est pas sûr que Maslow a affirmé ça. Parce que il y a des personnes qui ont faim et qui sont malgré tout dans la réalisation de soi. C'était incroyable. Il y a des personnes qui ont, j'en ai vu en Éthiopie, j'en ai vu en Haïti. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas manger nécessairement à leur faim, mais qui étaient dans la relation à l'autre, une relation porteuse de sens, dans l'entraide, dans le soutien, qui leur permettait d'être dans la, ce dont on parle depuis le début, dans la présence, qui est au bout du compte la réalisation ultime de ce que nous sommes. Alors donc, et ça, je crois que Maslow, c'est ce qu'il voulait exprimer, c'est ma croyance, là. Donc, c'est pas nécessairement une pyramide. Certaines personnes ont interprété la pyramide de Maslow comme étant une usine à jeu, mais pas péjorativement, au contraire, parce que socialement, actuellement, il y a beaucoup d'efforts de fait pour renforcer les jeux. Tu vas être le meilleur, tu vas être le meilleur. Bon. Et ça, c'est une autre chose importante. On peut développer les talents, développer le potentiel, sans que les talents et le potentiel deviennent des jeux. Si un artiste, un jeune a du talent en dessin, il peut développer le talent, puis peindre et exposer, etc., sans avoir jamais été dans un jeu. Mais il peut malheureusement entrer dans le jeu peintre et là attendre les commentaires, puis être tout à coup détruit, entre guillemets, ou en tout cas entrer en état de déprime ou de détresse parce qu'il y a eu des critiques négatives à propos de son travail, bon, etc. Mais la capacité de créer est encore intacte et il peut continuer à créer. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Donc, et Maslow parlait un peu de ça, je crois. La réalisation du potentiel, des capacités, après se Ouais, je nourrir, pense etc. qu'elle a raison, parce qu'on a aussi des gens qui peuvent avoir une très grande estime d'eux-mêmes, l'estime de soi, et mourir de faim. Bon, si c'est Ouais. mourir d'eux-mêmes, enfin, c'est très complexe. Pour Ouais, boucler un peu ce exact. que tu as dit, boucler un peu cette émission, au début, on a parlé d'organisme et d'organisation. Il y a aussi des jeux qui viennent vous manger. Donc, quand on vous dit, vous serez un bon citoyen si vous faites ceci, vous serez un bon employé si vous dites ceci, tu seras un bon gamin si tu fais ça. Je commencerai Ouais. petit, hein. Tu seras un bon enfant, un bon fils si tu fais ceci ou Ouais. cela. Ouais. Toi, tu nous invites à dire, Et c'est c'est à vous de aimé. trouver votre bonté, c'est à vous de trouver ce qui est. C'est ce qu'explique aussi pour revenir à Page Blanche. Je lui dis, c'est pas à moi de dire qui tu dois être, c'est à toi de savoir qui tu es. Ouais. C'est pas à moi de te dire qui faut que tu sois, et c'est pas à toi, surtout pas à toi. C'est dans l'inverse qu'elle lui dit souvent. T'es en train de me dire qui je dois être, comment je dois m'habiller, ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce que je dois manger. Exact. Tous les domaines sont pris dans le bouquin. Franchement, vous pouvez y aller parce que. Serge, je pense que tu as dû prendre des notes de tous les domaines possibles et imaginables. On va dans tous les sens, on va dans l'émotionnel, on va un peu dans le spirituel. Et même à un moment, tu parles de YouTube, effectivement. Enfin, on va partout. Donc, je vous invite à nouveau vraiment dans la lecture du livre Je. On vous dit Je à votre libraire, il va trouver. Il va trouver mes sous-titres Connais-toi toi-même, comment on fait ça. Mais si vous dites Je, édition Flammarion, il va trouver en France. Si vous dites Je, édition Édito. Au Québec, chez Renaud Bray, au Québec ou à la Fnac en France, vous allez trouver. C'est finalement, tu l'as dit tout à l'heure, ça nous invite peut-être, nous, adultes, déjà avec nos enfants, à faire en sorte d'arrêter de leur imposer d'être des sommes de jeu et de leur dire, moi je t'aime comme tu es, pas comme les autres voudraient que tu sois. Ouais, tout à fait. Parce qu'on peut soi-même, d'ailleurs, on peut projeter, c'est encore une autre question intéressante, tu sais, le jeu parent. Est-ce que je suis le meilleur parent, meilleur père, meilleure mère? Puis à ce moment-là, comment je détermine ça? Ben, par les succès de mon enfant dans le sport ou à l'école, peu importe. Mais non, mais offrir à vos enfants la possibilité de développer leur talent en étant conscient, en observant vos propres jeux, puis en apaisant vos propres jeux. Et si vous leur. Et ça, il y a un conseiller en orientation qui disait ça, il disait, découvrez les talents de vos enfants au lieu de leurs rêves. Et apprenez à créer des espaces où les enfants vont pouvoir développer leurs talents et ils vont réaliser beaucoup de rêves. Je trouve ça magnifique. Et ça, il faut être conscient de ses propres jeux, parce que est-ce que ce sont mes rêves qui sont devenus mes jeux que je suis en train de vouloir réaliser à travers ce que mon enfant vit?
ou si ce sont simplement ses talents que j'observe et qu'à travers la présence que je lui offre, créer un espace, à travers cette présence, je crée un espace pour que cet enfant puisse se développer, tout simplement, développer ses talents, son potentiel, et découvrir lui-même ce qu'est sa capacité d'être présent, présent. Il peut découvrir ça très tôt, elle peut découvrir ça très tôt. Et plus il découvre ça tôt, plus elle découvre ça tôt, ah là là, qu'est-ce que sa vie va être autre chose qu'une bataille pour constamment défendre des jeux qui apeurés à cause de l'angoisse de disparaître, etc., etc. Oui, Et ils vont... c'est terrible parce qu'on s'aperçoit qu'une nouvelle génération qui spontanément communique entre eux, et cette même génération qui est très jeune, on a dit attention, l'autre peut être l'ennemi, par exemple, il n'y a pas longtemps, s'il n'a pas de masse, s'il n'est pas 1 mètre de toi, il est dangereux. Danger, on n'aurait jamais dû toucher les enfants, à mon sens, mais ça, c'est une autre Ouais, je pense histoire. aussi. Serge, pour te retrouver, on peut aller sur ton site aussi, et ton site, il s'appelle Tortue. Thierry Marquis, tu veux nous expliquer pourquoi tortue? Un jour, quand je me suis mis à travailler pour des organisations en amont pour prévenir l'apparition des problèmes psychosociaux, chercher un nom, puis avec ma conjointe, on a trouvé ça. Tortue, organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les Dans entreprises. l'entreprise. Et on trouvait que c'était merveilleux parce que c'est un animal qui vit très longtemps, qui peut se protéger quand il en a envie, qui se retire dans sa carapace, qui atteint toujours ses objectifs. J'ai vu les tortues pondre et j'ai vu les bébés tortues sortir de leur coquille, c'est le cas de le dire. Et c'est ce que j'appelle réaliser leurs objectifs. Et c'est un animal qui m'a toujours fasciné. Donc voilà. On a le droit de t'appeler Tortue Géniale, mais sans rapport avec un dessin animé des années 80, avec un Ah, personnage qui avait suffisamment de sagesse et de pouvoir, qui avait l'air de rien. Serge, je vais te laisser préparer les mots de la fin, mais je voudrais déjà te remercier beaucoup du temps que tu nous as consacré pour nous expliquer qui était ce jeu, comment on peut l'observer, le regarder. J'ai pas été, j'aurais pu lire des morceaux complets, mais du livre, mais je préfère vous laisser rentrer dedans, si je puis dire. Vous allez vous reconnaître, ça va faire mal, mais ça va faire du bien en même temps. Quand ça fait mal, vous fermez, puis vous rouvrez quand vous êtes prêt. Mais ça se lit comme un roman et ça se lit bien, et tu as voulu que ça se lise bien. J'ai lu beaucoup de bouquins de psycho quand j'étais un peu plus jeune, pas que je sois vieux. Ça, c'est pas un bouquin de psycho. Je veux dire, c'est un roman. Lisez-le comme un roman où on apprend. D'accord. Le dernier qui m'a fait cet effet s'appelait La prophétie des anges. Donc c'est pour te dire, c'est un bouquin très connu, mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc je te laisserai les mots de la fin tout à l'heure, mais je tiens d'abord à te remercier. Merci à toi. Merci beaucoup à toi m'avoir permis d'être avec vous. Oh, Puis pour cet échange avec toi, merci de tout cœur, c'est vraiment. gentil. Les amis, avant qu'on laisse les mots de la fin à Serge, je voudrais déjà vous remercier d'avoir été très nombreux présents pour cette émission. N'hésitez pas à la diffuser, à la partager, parce qu'il y a plein de gens qui vont comprendre le contenu en l'écoutant. Et comme vous l'avez écouté, vous êtes les meilleurs diffuseurs de cette émission. On se revoit, les amis, dans 15 jours, je crois. Je vais quand même déménager, je ne sais plus quelle date j'ai mis, mais oui, ça doit être dans 15 jours. Oui, le 8, non, le 8 juin. Le 8 juin. Avec David Fraissino. David Fraissino, il est réalisateur. Il travaille pour l'INRES TV. En Amérique du Nord, c'est Gaïa TV qui est plus connu que INRES TV. Mais à INRES TV, il a écrit et réalisé un film qui parle de l'entre-deux-vies. Alors, on va un petit peu regarder. D'habitude, on parle un peu de ce qui se passe avant de mourir. Alors, on va parler de ce qui se passe entre deux vies, donc on va revenir un petit peu à la spiritualité. Avant de revenir, vous le verrez dans 1 mois, une émission qui va parler de bioculture, de comment on peut apprendre à cultiver de manière naturelle et son potager et son existence. Vous allez voir que finalement tout se rapproche. Voilà un petit peu quel est le menu, donc je vous espère nombreux. Merci encore à toi Serge, et puis voilà, la parole est à toi, je te laisse les mots de la fin. Ça va être super court. Je voudrais remercier toutes les personnes d'avoir été là, en insistant sur cette expression, d'avoir été là, parce que notre échange était à propos de ces mots-là, à être là. Alors, merci d'avoir été là et bonne continuation à toutes et à tous. Merci à vous les amis. Au revoir, à bientôt sur Terre de TV.